Les VUS compacts, c'est les modèles les plus vendus. Les VUS compacts de luxe se vendent un peu moins, mais demeurent extrêmement populaires quand même dans cette catégorie-là. Avec beaucoup de véhicules, ça a été très difficile d'établir un classement pour nous parce qu'il y a tellement de véhicules en lice. Et finalement, en plus, le véhicule qui est à la première place, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris, c'est pas un véhicule allemand, c'est un véhicule sud-coréen. Oui. C'est le Genesis GV70. Ben, c'est intéressant d'avoir un véhicule comme ça au ça de sa palmarès là parce que justement... On offre, chez Genesis, une expérience qui est différente, une expérience de vente, euh, l'entretien, etc. Les entretiens inclus, etc. Bon, Garantie aussi. Or, puis on essaie de prendre des parts de marché qui ont été dominées là, par, euh, par les Allemands pendant tant d'années. Puis maintenant, on est convaincu avec le Gv 70 les nous qu'on doit faire un produit qui est non seulement très bien assemblé, euh, une bonne valeur. Puis aussi, bien, qu'il y a des bonnes motorisations, puis un, un style qui se démarque. Euh, C'est sûr qu'on ne rentre pas dans, dans la sportivité nécessairement qui égalise les Allemands. Ça, il faut toujours le noter. Euh, par contre, on offre l'électrique avec le GV70 électrique. Il faut le rappeler que Genesis n'utilise pas une plateforme propriétaire pour le GV70 à l'heure actuelle pour l'électrique. On a pris la plateforme à essence, puis on a mis un moteur électrique avec une batterie. Ça se ressemble mm. un peu à la conduite, soyons francs. Ça, ça, C'est un véhicule qui est pesant, mais quand même… Très agréable si on veut, c'est juste qu'il faut faire attention parce que peut-être que Genesis va nous arriver avec un nouveau véhicule, un nouveau GV électrique, ça va tellement vite dans l'industrie que euh, cette, 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 euh, ce premier modèle-là, c'est un premier essai, puis je pense que c'est concluant. Euh, moi, personnellement, de côté du GV70, je préfère, il y a deux moteurs, le 2.5 mm. litres, puis, puis le, 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 le moteur 6 cylindres, euh, je préfère le plus petit moteur 2.5 litres, sur Pro compressé, je trouve qu'avec euh, la puissance est ample, le véhicule est mieux balancé qu'avec le 6 cylindres, puis ça, c'est quelque chose que j'ai eu des conversations, par exemple, au salon de avec des gens qui disaient ben moi je veux le plus gros moteur je veux le plus gros moteur mais ben, il faut y essayer les deux pour voir celui qui vous plaît si vous êtes dans le marché pour un GV 70 moi je trouve qu'avec le petit moteur qui est moins dispendieux, le véhicule est mieux balancé ouais c'est vrai puis il y a un intérieur qui est incroyable sincèrement dans les modèles haut de gamme mm -hmm. on a une qualité de finition qui n'a rien à envier à un véhicule allemand c'est même mieux à certains égards là oui. j'ai souvenir qu'on avait eu notamment un véhicule à l'essai avec la fibre de carbone tressée de deux manières différentes des insertions extrêmement qualitatives on n'est plus du tout sur un véhicule coréen tel qu'on l'imagine il y a 25 ans là c'est vraiment si on Enlève le blason Genesis, là, on pourrait coller un autre blason à la place, il n'y a personne qui verrait la différence. Donc c'est vrai que c'est des véhicules qui sont vraiment intéressants, qui gagnent à être connus. On n'y pense pas forcément au premier abord, mais euh, je vous dirais si vous magasinez ce véhicule-là, un, un VUS compact de luxe, allez faire un saut chez Genesis, regardez ce que ça vaut. Et si ça vous plaît, ça pourrait vraiment vous convaincre. Un petit bémol sur l'électrique qui est quand même très cher. On est au delà oui, des 80 000, 000 ouais. C'est quand même très cher, mais ça demeure pertinent dépendamment de l'usage. Ça, ouais. ça pourrait être aussi être intéressant. Euh, en deuxième position, c'est un véhicule. Intéressant aussi, là on est plus dans la diversité. Pas tout électrique, mais oui. beaucoup de moteurs différents, c'est le Lexus Enix. Le Nexus NX. Le Lexus NX qui est un peu allé piger dans le catalogue Toyota pour euh, l'hybride, les, les, euh, mais également pour la finition. On veut. Rivaliser encore avec le NX, qui a toujours été un très bon véhicule. C'est juste que des fois, on n'arrivait on pas à déclasser les Allemands. Mais là, maintenant, avec cette diversité-là, c'est sûr qu'on euh, qu peut avoir euh, à essence, euh, hybride traditionnel, hybride rechargeable également, qui est quelque chose qui est de plus en plus en demande. Et puis, que, quand on voit chez les Allemands, des fois, c'est très dispendieux, tandis que du côté du NX, c'est peut-être un peu plus abordable. Euh, un véhicule qui n'est pas nécessairement au sommet de la sportivité. Puis ça, on le répète ça avec les Allemands, c'est irremplaçable, on dirait. Puis c'est sûr que si vous avez le plaisir de conduire, euh, dans vos recherches, là, comme vos critères qui sont principaux, c'est sûr qu'il faudrait l'essayer pour voir si ça comble à vos besoins. Par contre, au niveau de l'autonomie tout électrique euh, du, euh, du NX 450 H, c'est très intéressant. Un peu plus de 60 km. Ah, un peu plus, plus de 60 bon. km, c'est quand même. Et 300 bon. chevaux aussi. Hein? Donc, euh, pour une fois, on a, on a des performances. On met, on met à l'époque on, on utilise le système hybride non seulement pour, pour, pour l'autonomie tout électrique, mais également au service de la performance. Donc, c'est un véhicule que, qui est comme somme toute complet, le, le NX. Oui, puis en plus, c'est un un gros propulseur qui dérive du RAV4 Prime, donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude non plus à avoir. De, de Sur de la de planète de la fiabilité. C'est ça, exactement. C'est des véhicules qui ont d'une bonne valeur généralement aussi, et euh, les moteurs à essence ont fait leur preuve depuis plusieurs années aussi, donc de ce point de vue-là, on n'a pas d'inquiétude particulière. Et en troisième position, on va enfin retrouver un Allemand, parce que le monde va se dire qu'on n'a plus d'Allemands <laughs> dans ce classement-là. C'est un véhicule qui est un peu vieillissant aussi quand ouais. même, mais qui a fait ses preuves et qui plaît quand même, qui se vend toujours très bien. Très bien. Euh, notamment au Québec, c'est le Audi Q5. Oui, l'Audi Q5, qu'on pourrait qualifier dans, dans le palmarès de le, le moins original, si on ouais. veut, mais euh, qui livre la marchandise. C'est un véhicule qui est luxueux. Qui est extrêmement bien assemblé à l'intérieur. Un peu plus sportif que moi, je vais dire que le GV70, oui, par absolument. exemple, puis le NX. Fait que c'est sûr que dans ce classement-là, si vous nous écoutez, vous êtes ben, ben, moi, la sportivité, dans le Q5, vous allez le retrouver un petit peu plus. Ouais. Et le SQ5 aussi. Puis le SQ5 également, qui offre euh, un niveau de performance relevé. Donc, c'est sûr que ce véhicule-là ne déçoit pas. Il est encore troisième. Il est encore dans le palmarès pour toutes les attributs qu'il offre. Et en conclusion, quand même, une notion importante, c'est que le Mercedes-Benz GLC, on ne l'a pas conduit au moment de, de faire ce classement-là. Donc, ça pourrait bouleverser une nouvelle fois le classement l'année prochaine, possiblement. Mais pour l'instant, on reste sur GV70, NX et Audi Q5.